Et là, de nous suivre l'autre. Ouais, il nous suit. Il a vu, il a Il a vu vu que c'était Dante. une team. Ouais, c'est ça, une team de Dante. Il s'est dit, allez, hop. Le caillou! Ah, c'est bon, il a fait demi-tour. Il y a du NC dans le secteur. Ah, ça doit être un Skydoc, oui. C'est un tir de libérateur, ça, par contre. Bonjour le stream, hein. Ouais. Oh, ça vous dit pas de faire une base ici? Oh bah oui. On a l'embouchure de plusieurs bases, donc si on pouvait. On en fait une juste ici là? Vas-y. Au pire, juste à côté. Ah, je sais pas, à côté du rocher, c'est peut-être dangereux. Pas si on fait la base autour. Ouais, parce que regarde, là, comment dire, on pourrait servir du rocher comme un rempart naturel. Oui. Je pose le silo. Vas-y, vas-y. Par contre, Cody, il va falloir que tu fasses quelque chose pour ton micro, parce que sur le stream, je crois qu'on t'entendra pas. On t'entendra pas des masses sur le stream, je pense. De toute façon, tu Ah, peux je vais direct. pouvoir faire plus. De toute façon, tu peux modifier le niveau de volume du dans les paramètres. Donc là, il faudra penser à le bloquer dès que. Tu peux bloquer seulement. Enfin, tu peux appliquer une permission au silo à partir d'un certain seuil. Donc il faut que ce soit à minimum 20 000 pour que tu puisses le bloquer. Qu'est-ce que tu fais? Ah, vous construisez? Non, on remplit. Ok. On se vide. Ok. Mais il se vide aussi? Oui, profite, hein. Bah, ça rapporte de l'XP aussi, hein. Ah, oui. Mais ça clique sur changer l'accès, mais ça fait rien. Ah, il faut attendre qu'il finisse d'être construit. Mais après, ça appartient à un certain seuil que tu peux interagir. Non, moi, c'est à partir de 20 000, tu peux appliquer une permission. Non, Je mais crois qu'il faut l'idée c'est. que tu fasses W enfoncé, tu sais, le truc. Ouais, W enfoncé, là. Enfin, le spot enfoncé. Ouais, je sais, je sais. Bon, je te laisse ce filon-là, je vais aller ailleurs. Ah, il y a un filon, pas très loin, tu continues tout droit. Ok. Tu continues tout droit, puis tu passes un petit peu à droite, en fait. Ok, d'accord. Tu prends la route, tu verras. Je Ah sais oui, pas je ce le que ça vois, il est là. change, en fait, ça m'indique rien. Ok, c'est toi. J'appuie sur changer l'accès, mais il m'indique pas si ça a bloqué ou autre. Ouais, c'est ça qui est chiant, ouais. Je crois que j'ai déjà fait expérience avec toi une fois. Tu peux. Attends, tu peux sortir de l'escouade et puis essayer à voir. Ouais, justement, hop. Squid. Quitté. Tac. Regarde si tu peux. T'as combien là? Je peux accéder de mon côté. Et là? Je peux y accéder. Bah merde alors. Comment ça se fait? Tac, tac. Il y a un display ENC. Arrive. Il m'a laissé tranquille, je le vois. Il est là, là. En plus, t'es vulnérable, t'as même pas de canon. Ouais. Il s'en va, il s'en va. Ah, quoique. Ouais, il a fait demi-tour. C'est mon pote. Elle est toujours là. Je vais lui dire bonjour.
Qu'est-ce qu'il fout ici, lui? Ben, je crois qu'on est à côté d'une base. Ah ouais. Elle est en train de se faire caper. Ennemi, ennemi, ennemi! J'arrive. Oh. T'es Mais mort? c'est quoi ce rat? Niquez-le! J'arrive. Je suis un peu loin, j'arrive. Beacon, s'il vous plaît. C'est bon. Ouais. Bah. Ce Posé. mec, il a rien à faire là en plus. Il est mort? Il est mort, il est mort, je l'ai vu. Oui. J'étais en plein sur la console, le mec il m'a tué dans le dos, un médic. Ouais, je l'ai vu sur le Ensuite, radar. il a Qu'est-ce qui tiré sur mon branle? véhicule. Qu'est-ce qui branle là, lui? Ok. Ah, le casse-couille de service. Faudra faire des places de parking pour nos 3 antes. Putain, il est tellement beau le tien. Attends, laisse-moi l'admirer un Mais peu. du skin différent. Ah, il est beau. En mode. Ah, ouais, de ouf. Vraiment véhicule de chantier en plus, hein, quand tu remarques l'arrière. C'est vrai que. Ah, ouais. Ah, il est magnifique. Hein. Il est ridicule ton klaxon. Oui, c'est le but. Vas-y. Mouip. Oh, Cody, il a commencé à faire les murs. Mais c'est des murs anti-choc, ça, non? Anti-explosion? Ah, les murs solides. Ok. C'est bien parce que je pense qu'ici il y a du passage donc ça peut être pas mal. Hop, voilà. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir construire? N'empêche, j'en ai construit presque à la limite de la frontière de la région. Ouais. Oh putain, je vais gêner. Oh bah, je vais chercher le cortium. Donc ça, on a droit à 3 murs chacun. Okay. J'aurais bien que tu. Ouais, bah justement, j'aurais bien, Wayne, que tu fasses un mur là. Ok. Un mur là qui part comme ça là. Merde, j'ai acheté mon tube de TP. C'est pas grave. Prends un mur, t'inquiète. Ok. Mais ça le garde dans mon inventaire le mur de TP. Pas le truc de TP. Non, mais tu reprendras après, c'est pas un souci. Ok. Hop, alors du coup. Défense. Mais j'ai que les murs de rempart classiques, moi. C'est pas grave, c'est pas Ok, grave. ok, ok. De toute façon, on pourra mettre un bouclier dessus. Ok. Alors, je te mets ça comment, Cody? Bah, de long, là, pour continuer, tu le mets tout droit, tu essaies de le mettre dans la même continuité que l'autre. Ok. Il va y avoir un trou là. Attends, j'essaie de. Y a pas un moyen pour se rendre plus compte de comment on le pose le Bah, mur? tu le fais pivoter, Si, quoi. tu peux le faire pivoter, avancer, reculer avec. Je crois que tu gardes les double clics enfoncés, puis tu joues avec la souris, avec le curseur Ah ouais, pour effectivement. reculer, éloigner. Et puis je crois que si tu maintiens le contrôle et que tu pivotes, je crois que tu pivotes, mais plus lentement. Ah ouais, effectivement. Alors du coup, juste besoin de ça. Ok. Il y a Ça veut les tirs à dire que proximité là. dans la continuité, genre. Genre. Putain. Et Je mets comment en ligne c'est pour parce que reposer du coup? t'appuies sur eux. Ok. Comme ça, Cody? Ça te va? Ah, nickel. Impeccable. Ouais, parce que justement, je voulais absolument pas qu'on puisse passer, du coup. Ça. Ouais. Mais ce que je fais souvent, c'est que je pivote de faire en sorte que le bout du mur, je l'ai sur moi, et puis je me cale sur le bord Ah de ouais. notre mur. Ah, par contre, j'ai quand même vérifié parce qu'ils disent que j'ai des trucs qui sont. T'as un tube de réapparition, ça, toi? Ouais, j'ai un tube de réapparition là sur moi. Ah ouais? Ah, si, j'ai terminé le léger. Moi, je l'ai même pas débloqué. Je sais pas où, comment, où, sur quoi on le pose. Je l'ai dans les mains. Attends.
Ouais, j'ai bien tout sauf la porte-véhicule. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a même les tours de douleur. Putain, c'est pratique ça aussi. Puis faites gaffe, il y a un allié qui est là, faudrait pas qu'il pompe le. Ouais. Il peut se servir dedans? Normalement, oui. Non, on a essayé, mais j'ai quitté les squads pour faire les tests et Ah, j'ai compris comment j'ai ça quand se même réussi à pose. piocher dedans. Pas pour moi. D'accord, ok. Mais du coup, on peut le poser en intérieur, dans un bunker peut-être? De quoi? Le tube de réapparition. Oui, attends. Oui, tu peux, ouais. Ok. Non, parce que ce sera plus safe que de le foutre dehors, quoi. Écarte-toi, Wayne, je peux Ah, pas pardon. construire ça. Ces modules-là? Non, c'est le les gars, ça. Je vais mettre l'alarme, ça va être important, ça aussi. C'est vraiment très cocooning, hein. Ah, nice. Oh, tu pourras le mettre sur l'un des côtés, je crois. Ok. Ça porte là, le... Empêche l'alarme, là. Hop. Ah ouais. Je vais attendre que Ah ça se finisse et puis je vais ouais. le poser. Tac. J'ai toujours mon disque dans les mains là. N'empêche, l'arme de module, je vois le cercle vert pour montrer ce qu'il peut détecter. Il fait plus que la zone de construction en fait. Bah tiens, ici là, c'est vraiment le milieu. Quoique, à partir ici où. Ah, ouais, faut vraiment que je mette à proximité du silo. Il est pas buggé le fort là. Si, je me suis dit merde, y a un bug de texture là. Ah ouais, Bah, tu viens de le poser là? ah oui, je viens de le poser. À l'instant même. Ah c'est bon, c'est bon. Ah, non, c'est bon. Alors, ah, je peux pas le poser aux étages. Ok. Attends, je vais quand même essayer tout en haut si je peux le poser. Hop, alors me poser. Ah, non, même pas. Non, le plafond est trop bas. Et là. Non, il faut que je le pose en bas. Alors là, ce serait Voilà, bien quand là. je vais me démerder avec lui. Ah, je peux le poser qu'à l'avant. Ah, peut-être là, en fait. Hop, comme ça va. Il est un peu protégé comme ça. Hop là. Il est où mon Ok, bien. véhicule là? Parce qu'il va finir par gêner. Attends. Au pire, on calerait pas déjà nos véhicules quelque part? Hop. De toute Attends, je vais façon, essayer de le s'il faut foutre. rentrer dans la base, il y a le truc à ISP si jamais on enferme Ah, la lui. base. J'ai Ouais, encore mes trois murs que je peux poser. je vais caler mon véhicule ailleurs Non, aussi, je moi. mets juste un mur là devant la tour pour On peut? protéger. Putain, ah oui. Ah, pour protéger le spawn. Ah oui, bien pensé. On peut pas passer là, hein. Je crois pas. Hein. Attends. Ouais, non, tant mieux. Hop. Je vais attendre avant de poser les prochains murs, moi. Il m'en reste Je vais encore deux à peut-être poser. Je vais attendre un peu que vous placiez certains bâtiments en clé. poser. Surtout que là je fais le stream aussi, mais ce stream-là, enfin, toute la construction de base et puis un peu après, je vais cutter ça puis je vais l'envoyer à Chamos parce qu'il voulait toujours voir comment on crée une base et tout. Ah, Du coup, d'accord. je lui montre, tu sais, je fais un peu des plans Ça pour t'intéresse lui aussi, montrer. la construction? Mais surtout que je lui en ai parlé et il a pas maté à quoi ça ressemblait et tout. Donc du coup, Ah, il a pas eu on va l'occasion. peut-être finir un peu les murs là. Ouais, Ah, vas-y, vas-y. je suis sur un mur là. Est-ce qu'on commence à fermer la base ou. Bah, Parce je que sais là, pas. j'ai mes trois murs plus les anti-explosions. Après, on peut toujours mettre des bunkers aussi. Hein. Au pire, je peux acheter une porte à véhicule si vous voulez. J'ai aussi un des garages dispersés aussi.
Regarde ta porte-véhicule. Pire, ça peut toujours servir de protection pour autre chose, hein. Plutôt que de faire une entrée. Ouais, c'est vrai. Ah, attends, juste 2 secondes, les gars. Faut vraiment, 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 hein, que j'aille aux chiottes. J'arrive. Attendez, j'ai essayé de me Bah, foutre dans. Hop. je peux mettre un bunker, moi, là, à côté de la tour ou de la porte. Hop, je me foute là. J'arrive. Alors, regarde, c'est toujours. Si je fais ça. Ah, une ouverture. Ah, merde. Attends. Ah, j'ai merdé. Les tirs se rapprochent, n'empêche. Hop, décoration tactique, module d'outils. Voilà. Peut-être un peu de mal à... Défense. Ah, je peux pas le. Je peux pas le retirer, c'est quoi ce bordel? Ah si. Normalement, c'est parfait, yes! Ah non, c'est ton véhicule. J'aurais peut-être dû lui carter un peu plus d'avantage le. Ouais. Que ça passe, dis-moi que ça. Ah, allez, 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 allez. Allez! J'ai vu que c'était vert. C'est vert! Hop! Donc de mon côté j'ai encore 2 murs que je peux placer. Il est affecté par le...
Ah, nickel. Comment je vais me démerder alors pour les deux murs restants? Je mettrai une tour de douleur ici. Ensuite. Hop, une tour, hop, tour. Qu'est-ce que j'utilise mes deux murs pour essayer de fermer la base? Ce serait bien, non? Faut que j'arrive à les caler sur tout ça. Hop. Ça va jusqu'où ça? Ah, ça va jusque-là. Ah. Ah, ils peuvent se... Même avec un seul mur, ils peuvent se coller. Et bon, le plus dur, ce sera de bien caser. Premier essai. Un premier essai foiré. Putain. Attends, je peux mettre des claymores moi ici. Hein. Ah mais voilà. Regarde, il y a deux entrées là en fait là. Il y a quand même deux entrées là. Voilà, je ne suis pas satisfait. Putain, je dois attendre que ça finisse de construire pour que ça. Ouais. Je puisse le démonter, ouais. Oh, il y a un gros filon. Gros Yes. filon juste à côté de la base. J'ai un boost d'XP, je le veux. Ouais, vas-y, profites-en. Au pire, prends mon véhicule. Ouais. Ouais. Pas de mauvaise idée. Oh, désolé les gars, c'était une question de vie ou de caleçon. Ah oh, non, mais là, j'ai mon ventre qui a il a soudain commencé à vouloir exploser. J'étais en mode, ah ok. Ah, vous avez déjà fermé. Ok. Bon, alors, j'ai essayé de fermer. Il manque un wall, non?
Ouais, je viens de le retirer, j'essaie de bien le caser en fait. D'accord, ok. Parce que là, il y avait, le précédent, il y avait deux ouvertures. Hop. Un homme qui en profite. Ah, si le stylo est full, aimerais que t'auras qu'à prendre le tien de Dante. Hein. Histoire qu'on ait une réserve de l'autre côté. Ouais. Jolie base quand même. Oh putain, mais il y a un filon méga gigantesque à côté là. Ouais. Ah ouais, je vais aller commencer à l'entamer un peu là. Ouais, Putain. démerder comme ça, je verrai bien. Ça peut contenir combien de cortium cette merde là? 35 000. Ah ouais, ok. Juste à côté de notre base, mais c'est du pain béni ça. Bah oui. Je suis en train de finir masse directive. La directive quotidienne. Ouais, ah, je suis full. Hop. Bah, il est full le truc. Bon. Sans je pose. Oh lui c'est parfait de ce côté-là. Oui, putain, effectivement. Hein. Par contre l'autre j'ai un doute. Ah ce qui me semblait. Bon on a une ouverture. Au lieu de deux. Ah ouais. Bah faut à la limite je placerai une tour de douleur ici. Bon après, ça nous fait une sortie à nous aussi. Puis si on sait qu'il y a qu'une seule ouverture ici, bon, on a juste à checker quoi. Hop, la deuxième tour. C'est vous qui avez tiré? Non, c'est celui de l'autre. Ouais, c'est un tir de pistolet RT de toute façon. Ouais, c'est vrai. Eh! Ah, c'est. Merde, c'est le tien, c'est pas le mien. Il est où le mien en fait? Ah, il est là. Parce que je vais essayer de ramener mon TNA un peu plus à côté de la base. J'ai pas envie qu'il se fasse péter, il est full. Ah bah je crois que je vais aller sur le boucher en fait. Recule, connu! Merci. Y a notre pseudo-pote qui rentre avec son TNA là. Il vient pas de casser notre beacon. J'ai l'impression. Non. C'est vrai? Y a plus de beacon. Hop, je repose. Il est sérieux là? Permission de lui faire exploser ses grands morts. Pas tout de suite. Bon, que je leur claque comme il faut. Vas-y, passe. Parfait. Je vais garer mon TNA à l'intérieur. Hein. Il y a de la place en haut à côté du tien, Max, non? Regarde toujours, hein. Suis les lignes blanches. Le petit parking n'empêche. Ah, génial. Voilà. Attends, je vais mieux me garer comme ça, tiens. C'est en faire vraiment exposition parce que là, on voit juste nos culs, là. Ouais, c'est vrai.
J'aurais peut-être dû laisser la couleur de base. Parfait. Hop, on met Et les voilà, mandibules bien parfait. droit. Hop. Du coup, est-ce qu'on peut passer ici? Ah, on peut toujours, hein. Ouais, je sais. J'ai placé une tour de lueur de toute façon pour ceux qui comptent, Axe, qui cherchent à passer. tu peux quitter l'escouade et regarder si tu peux rentrer. Bien sûr. Hop. Tac. Rentrer dans cette tourelle-là ou utiliser le silo? De la tourelle. Le propriétaire de cette tourelle a, un accès, a mis un accès limité, donc je peux pas y aller. Et le silo? Le silo, je peux y accéder. Est-ce qu'il m'affiche pas l'option en fait avec le truc du silo? Ouais, du coup, notre base elle risque pas de se faire prendre vu que l'ART est en train de full avancer là. Bon, au moins on a une base prête. Attends, si j'achète quoique. Il me propose pas la roulette là. Ça manque de modules. Donc on a quoi dans le tas? Réparation, ok. Mettre un Le mur deuxième n'a rien. bouclier côté parking, non? Un Ouais. bouclier là. Ouais, je pense à ça aussi. Puis un module de réparation aussi près des boucliers à l'avant. Du coup, structure. Non, ce module. Ah, tu vas le placer? Tu vas placer quoi là? Une tourelle. Ok. Je cherche juste un endroit où. Tout en optimisant l'espace. C'est pas le même que tout à l'heure, lui. Trop proche des autres, comment ça trop proche des autres? Ah putain, mon Skywall est trop proche du tien en fait. T'as comme s'ils ont augmenté la distance. Ah putain. Ah dégue. Bien, ça nous fait un garage. Un mec de la peste. Il y a un mec qui demande à installer une plateforme pour les avions ici. Je lui ai demandé, il m'a demandé en MP gentiment, donc je lui ai dit ouais. Oui, il y a qu'à quasi une place et puis. Tiens, ici, c'est pas mal, non? C'est à nous de la poser, non? Mais il peut la Non, il peut la poser. poser, il peut la Il poser peut où la il veut. poser. Il y a de la place un peu partout, donc. Ouais, mais t'as un truc à. Il va où? Mec, il a juste besoin de quoi avoir un aéronef, donc bon, on va le laisser quoi. Bon. Si on fait régulièrement des ravitaillements, on va le faire comme s'il faut entretenir Il l'a les posé modules de... et les Il tourelles. l'a posé devant. T'as encore ta tourelle Xiphos, Wayne? Je viens de la poser à l'instant. J'ai la Ouais. mienne. Il faudrait un module IA au niveau de celle-là, et puis il faudrait mettre des défenses autour. Préparation. Hop. Parce qu'il faudra protéger la plateforme, que le mec se fasse paniquer non plus, quoi. J'ai encore des murs hein, si tu veux. Je peux poser des murs à côté de son truc. Hein. Ton véhicule, Wayne, est-ce que tu peux le mettre en escouade uniquement? Comment Max, ça? tu peux mettre un deuxième bouclier entier ici hein. Je peux pas, ils disent que c'est trop proche des autres, ils ont augmenté la distance Ah, d'accord. à déploiement. Comment je fais en escouade uniquement? Page suivante, la touche, page suivante, ou non, je crois que c'est page précédente. Ouais. Et t'as escouade uniquement. Ah, oui, ok.
Comme ça, je peux la conduire. C'est bon. Alors, je peux pas. Apparemment, je peux pas. Ça dépend, c'est le véhicule de qui, ça, Ça, c'est Cody, ça. Celui dans lequel t'es rentré. Ah. Moi, le mien, c'est celui tout Ah à oui. droite. Vous voulez que je mette un module de renfort ici ou pas? Bon, si tu veux, ouais. Ouais, ça peut être utile. Ouais. Pire, je bouge le mien. Où il y a besoin d'aide, que ça réapplique assez vite. Ah, c'est quoi cette putain de touche pour rapprocher le truc là? Tu m'avais dit là, quand c'était quoi la touche, mais j'ai oublié. Quelle De, touche? les deux clics en, les deux clic gauche et clic droit enfoncé. Ouais. Et tu joues avec la souris au tambour. Ah oui, merci. Ah mais ça, mais c'est rien. Je peux pas le rapprocher plus que ça? Bon. Bah rip, hein. Parce que là, c'est drôlement loin. Quoi, c'est un mur? Ouais, c'est un mur. Ah, c'est un mur, ouais, c'est normal. Tu pivotes-le à la limite, hein. Pivote-le à Ah oui, 380 ouais. degrés. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Parce que le visuel, tu l'as de dos, si tu veux. Ok. De face, là, de face, ouais, t'as les couleurs de la RT. C'est con, je puisse pas mettre le Skywall ici. Et merde, on peut. Comment on fait pour Il y a enlever encore un quelqu'un qui bâtiment? s'est déployé en avion ici? Ouais. Ouais. Ah ouais, Il te faut l'outil de. Tu t'interagis avec le silo, t'as un outil pour retirer. J'interagis avec le silo, ok, d'accord. T'as un outil de construction, enfin outil de terrain. Et là, C'est t'as un vrai qu'on outil. pourrait, on pourrait plus souvent faire des bases pour des déploiements de véhicules Bah rapides, ouais. proches et tout. Oui. Comme ma station-service. Ce qui m'énerve, c'est que je peux pas changer l'accès du silo, quoi. Faut que j'attende que le mur se construise, c'est ça? Ok. Ouais, tu fais clic droit dessus enfoncé. Ok, merci. Les trucs que tu poses, Cody, ils sont buggés pendant un moment, puis après ils apparaissent bien. C'est bizarre. C'est rien. Mais pourquoi toi uniquement? Va savoir. Je crois que le jeu il est raciste de Cody. Raciste? Raciste? Tu es grosse Mélissandre. Hop. Racisez-vous? Mettre une plateforme à véhiculer à l'extérieur aussi. Pour en mettre un, ouais, avec le distributeur de munitions. Bah attends, je vais enlever le vieux bunker. Ouais, bon Ah, bah du coup. je peux pas faire mieux. Il y aura un trou ici, mais tant pis, Bah, je peux pas faire mieux. la protection sommaire. Ouais, c'est juste pour éviter que. Ouais, voilà, t'as compris quoi. Hop. Donc, véhicule. Il y aura peut-être moyen d'installer quelque chose ici, en tout cas. Ouais. Je peux toujours mettre une tourelle glaive ou un. Un fléau plutôt, non, c'est plus violent, parce que le glaive, c'est juste pour désactiver les boucliers. Ouais. Plutôt, t'aimes bien le fléau, hein. Ça, Le tu coup tiens avec les la bombes Valkyrie à qu'on trois est. coins? J'allais dire justement le Valkyrie. Je pilote, toi tu spotais.
Je dirais même plus le Valkyrin. Ouais, Valkyrie, Kyrie, Kyrie. Ça c'est con, il rampe là. J'attends que tu poses ton truc, Cody, puis. Ah c'est con, il y a un creux Ouais, ici. j'en J'aurais voulu poser à peu près bien le colis ici, mais bon, il y a un creux. Il y a un creux qui m'empêche de faire. C'est quoi, moi? T'avais des boules pour montrer le, pour me qui sert de marquage. Tu veux que je sorte le TNA pour que tu te mettes plus en hauteur pour mieux viser? Non, ça devrait aller. D'ailleurs, mon truc il dépasse là de mon hante là. Oh ouais. J'arrive pas. Par contre, attends, vraie question. Ouais. Non, Oui. on peut pas le hit. Bah, Vraiment, hein. C'est du c'est un cosmétique, ça. véhicule. C'est pas un véhicule léger, tu peux pas leur faire des dégâts avec une arme. Ah, d'accord, ok. Puis non, ça va pas être le truc cosmétique, ça. Non, non. Bon, je vais le placer ici, hein, du coup. Ou à la limite, je le colle comme ça. Parce que surtout, attends, je vais mettre C'est ici ton parce wall? qu'il. Hop, ici. Vu qu'il y a le module de réparation qui est. Enfin, de réparation qui est dedans. Hop, hop. On descend la caméra. Là, là, là. Ah, quelqu'un est dessus. Bah... Voilà, c'est bon. Pourquoi Cody est mort? Guizzi. Il a fait pouf! Il a crash, je crois. Ah non, j'ai pas crash. Je changeais de tenue. Ah. Ok. Bien, donc du coup je vais mettre mon deuxième wall, enfin mon dernier wall, je veux dire. Je sais où le mettre. Hop. Routeur, il me reste encore une tour. Alors au moins ça c'est une base où on peut circuler en bagnole, contrairement à Oui, l'autre base de mort là. à ce moment-là, on pourra en faire ça plus souvent. Hein. Ah ouais, moi je oui. suis chaud. Station, oui. Comme bloquer des routes ou des trucs comme ça, tu vois, pour laisser les passages alliés ou... Les douaniers, il faudrait que j'achète le. Ah, la porte-véhicule. C'est le truc qui manque. peut utiliser les portes de garage machin, hein, comme tunnel. Oui, aussi. Bah oui, c'est Ça vrai. règle le... Ça évite de dépenser 1000 certes pour ça. Alors, voyons voir. Protection, Yes, est-ce j'ai que j'ai réussi. voulu le. Ok, du coup, le trou que t'as essayé de combler ici, la Max. Oula. Oui. Bah, si on arrive à fermer avec des murs là, à côté des endroits là, bah, on n'en aura pas à s'en soucier en fait. Je n'ai. Pour l'instant, je n'ai plus de mur. Enfin, j'ai bien mis le mur anti-explosion, mais bon, ils ont les murs anti-explosion. Ouais, c'est vrai. Là, du coup, si on peut pas passer. Toute façon, j'ai une tour de douleur, donc ici, ça fera des Ouais. dégâts aux ennemis à proximité. Ok. Regarde le mur qui se mange dans le sol là. Oui. Bon voilà, au moins c'est un peu défendu. Ça va pour sortir Cody, pas trop de... Non, ça va, c'est bien. Bon, il a un peu posé son truc comme de la merde l'autre là, mais bon, tant pis. Ah mais ça nous coûte pas de nanite en fait pour sortir un véhicule si. Si, si. Ah non, pas de nanite, non. Ah si, je crois que ça coûte nanite et cortium. Ah oui, moi ça me coûte que du cortium. Ah bon? Ouais. Ah, c'est maintenant ce que cortium à Ah partir oui, de bah tu là. vois en fait ouais, ça économise vachement en fait. Ah, parce qu'avant, avant c'était Ouais. cortium et nanite en même temps. Ah non, c'est pour Bah, ça du que le coup. mec il attendait en Ah, c'est fait. cool! Il, à mon avis, il pouvait plus déployer de... D'accord. Ah, cool ça! Ouais. C'est intéressant. Donc on peut faire des bases de déploiement, on peut se réunir et puis on peut y déployer nos véhicules quand on veut. Putain, ouais, ça pourrait servir pour les alliés, tu sais, comme sur les je vais dire ça, des ergues. En vrai, elle a de la gueule la base là. Ouais, quand c'est pas posé à l'arrache, ouais. Ouais, ça a de Je la vais mettre gueule. le. Je vais mettre le distributeur. Juste, putain, il oublie le truc à réparation. Il devrait apparaître. Il apparaît même pas. Ah, ok, il est parti ici. Au pire, j'en mettrai un juste ici, à la limite. Hein. Ouais, je mettrai un truc de réparation. Ah, tu veux que tu colles un truc ici? Vas-y. Quoi, tu voulais mettre un mur? Bah, vu que j'avais pas de mur, j'allais mettre un bunker. Non, bah après, à la limite, vas-y, hein, si tu veux combler le mur. Tu voulais mettre quoi, toi?
Distributeur de munitions. Ok. Bah attends, je vais essayer de faire de la place. Juste qu'en calant un bunker ici, ça aura peut-être pu faire un... Attends, je vais essayer de monter sur le truc de Cody. Voilà. Oh bah c'est cette pile de plaques que j'ai gagné sur alerte. Oh bon, je croyais que c'était une antenne, mais non, c'est enfin une parabole, mais non, c'est une pin-up. Un dispé en cas où, on sait jamais. Hein. Oui, t'as raison, t'as parfaitement raison. C'est un disperseur réparateur. C'est plus un bouclier de déploiement en cas où. Oui. Ah, ça gratte. Ça permet de pouvoir se ravitailler surtout. Hop. Hop, si je leur avance comme ça. Ah, bonus de réapparition. Ah, il y a un truc qui s'est dépo... qui a dépop sur ouais, mes... c'est ton tube en fait, c'est ton tube. D'accord. Il y a un allié qui s'est déployé dans ton tube. D'accord, ok. J'étais en mode, what, c'est quoi ça? Bon, ça te fait de l'XP, hein. Oh, bah ouais. Puis on a du stock, donc... Oui. Ah, il est toujours là, le Cortium, d'ailleurs, tout à l'heure. J'ai... Non, non, on l'a bouffé complètement. J'ai vidé mon véhicule avant de prendre un disperseur, donc... C'est con, je puisse pas mettre un skywall. Tu peux pas mettre un fléau ici? Tu veux que j'en mette un? Allez hop. Partir ouais. Ici, ok. Bah oui, je vais en mettre un. Défense. Donc. La belle bait. Non, on a un autre monsieur qui arrive là. Des nouveaux clients. Bon, par contre, ça, ça me gêne. Je vais laisser là, hop. Trop proche des autres. Ah. On peut pas l'installer? Je crois que c'est à cause des autres. C'est quand même pas à cause des tourelles. J'ai l'impression que c'est à cause des tourelles à proximité. Attends, je vais m'éloigner, voir si c'est, pas, si c'est vraiment ça qui. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? T'as donné un coup de cut? C'est ça, accroupis-toi là, va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mec à buter ici? Non, 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 t'inquiète. Vas-y, va au coin. Non, mais arrête! Non, non, je tire à ses pieds pour lui faire un peu peur. Hein. Il est parti dans le coin. Voilà, c'est bien. Victime. Et si je te revois encore par ici? Il y a de la bataille d'aéronefs pas loin. Il est contre le mur. Pas le traumatiser. Ouais, il est trop proche des des tourelles en fait. C'est de ça. Wayne, il peut désactiver la sienne alors? Ah oui, ouais. Celle qu'elle a là-bas. Bah, à la limite, via l'Exifos, il y a un filon qui est apparu à proximité du garage. Bah, à proximité ouais, du. C'est bon, je l'ai jarté. Oui, moi, par contre, mon camion est plein. Si vous voulez le vider, faites-vous plaisir. Oui, les camions sont partout. Le Cody qui a gardé les clés de mon... Ah voilà, je peux le placer. J'ai placé le bunker ici, hein, mais bon, voilà. C'est juste histoire de combler le manque de murs, tu vois, pour les véhicules. Tac. Oh là là, magnifique! Il est magnifique! Il a l'air perdu, le petit assaut léger qui est avec nous, je pense. Hein. Il essaie de crever le pneu de mon véhicule, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Tiens, ouais, par contre, en fait, la direction dans laquelle regarde mon bunker, ça pue la merde, en fait. Parce que là-bas, c'est des terres alliées, en fait. Ce serait plus intéressant de l'avoir de ce côté-là, là. Attends. Parce que... Bah non, même pas, en fait. En fait, ouais, en fait, si les ennemis arrivent, ce sera forcément de là. Ou de là, mais bon, là, faut vraiment qu'on se prenne une branlée par les vanuques, quoi. Ok. Bah écoute, dans le doute, je vais le laisser là pour l'instant. De toute façon, il n'impacte pas le filon de Cortium.
qui... Non, c'est bon. Ah, c'est les anomalies. Il y a des gens qui vont arriver. Putain, mais les gars, il y a un nouveau centre-ville ici. Bah oui. Bah Ah, oui. ok. Du coup, je vais replacer Maxifos ailleurs. Ok. Hop. Alors. Je la pose à l'intérieur ou à l'extérieur, la Xyphos? Comme tu veux. C'est quoi cette ligne bleue? Tu peux mettre escouade uniquement pour la glaive? J'ai posé la question, est-ce que tu peux interagir? Non, je peux pas. Ok, donc si je fais ça. Merde, changer accès. Tac. Escouade. Attends, tac. Je peux mettre verrouiller, escouade. Bah, ils me disent escouade. Attends, si je fais verrouiller. Tac. 1, 2, 3, 4. Oh, on a quand même 4 tourelles à l'intérieur, je vais foutre la mienne dehors, tiens. Hop. Attends, mais... Ok, non, je comprends. Non, c'est no normal, c'est normal. L'IA n'a pas encore été... Il n'est Ah. même pas encore fini. Hop. T'es arrivé voir? Je foutre la mienne dehors. Hein. Non, tu peux pas. Ok, donc du coup, si je fais changer l'accès, escouade, sauvegarder, hop. C'est voir? Yes. Yeah, Wayne, tu veux voir la glaive à l'heure? Vas-y. Ok. Ça Je crois que c'est une portée de 600 mètres qu'on avait testée. va. Ouais. Mais attends, faudrait une vue où on peut voir le canon, tu vois. Mais il s'arrête après un tir, c'est ça, hein? De quoi qu'il s'arrête après un tir. Il tire une fois et après il s'arrête et il continue pas. Je crois qu'il tire qu'une seule fois, oui. Waouh. Allez, on voit la glaive là. D'accord? Waouh. Oh, c'est beau. Regarde, regarde le canon. Est-ce qu'ils ont corrigé le son d'ailleurs? Parce que comment il. Ah, ça envoie. Hein. Wow, c'est trop bien. Et tu peux attaquer genre T'as vu? sur les lignes ennemies là? Bah, elles sont trop loin, je pense. Ouais. Ça va jusqu'à 600 mètres, mais ouais, ça va être un peu chaud. Mais Peut-être plus pour la défense, après ça peut servir. pour la défense, tu te mets en infiltré et puis tu cibles les véhicules. Il est buggé le glaive du coup, il arrête pas de bipper. On a quoi? On a... Ah oui, ils ont modifié le nom de l'aspi, c'est devenu Oplon. J'ai foutu ma tourelle dehors, hein. Hop. Parce qu'il y en a déjà trop à l'intérieur. Finalement, comment dire, ce bout de rocher là, il sert bien. Hein. Mais il y a encore de la place ici. On aurait pu garer des TNA. C'est moi qui marque un peu. Alors attends, par contre, je vais rentrer dans mon TNA parce qu'il va bientôt se dé bientôt dépop et il est full. Il reste 13 minutes sur mon display. Voilà, c'est bon. Hop. Il est toujours plein la cuve là. Tac, modus skywall, hop. On peut pas en créer une deuxième de cuve? Non, une seule. Dommage. Enfin, Cody, si Cody l'a enfin, c'est Cody qui avait posé le capot del tien. S'il en repose une autre, cette cuve elle va disparaître. D'accord, ok. Et si Et puis moi si j'en t'en pose une construis autre? une trop proche du silo actuel, ça marchera pas. Parce que D'accord. quand tu prends un objet de construction, tu vois qu'il y a un cercle jaune, Ah oui, ils sont pas trop. ouais. C'est les limites de construction, D'accord, à ok. partir du silo. Tiens, tiens, je te détruis. Je te soude! Trop proche des autres, ma putain. Je suis en train de refaire les soudures des portes parce que ça tombe en ruine. Hein. Ouais, ça détruit au fil du temps. Non, c'était une L'entretien blague. oblige.
Tac. Ah, Pourquoi on a je des peux shields construire. ici et pas dehors? Tac. Pose le mien. Hop, voilà. J'en pose un. C'est toi le tir? De toute façon, il y aura un ennemi qui serait détecté par l'alarme. Ouais, c'est vrai. Infiltré que le coup pas, il serait détecté. Pourquoi il y a un explosif dans les escaliers? Pourquoi il y a une clé? Ah oui, une clé mort, ouais, ok. Une protection. Putain, la base est bien, hein, avec le mirador ici, là. Hop. Ah, t'as posé un panneau? Ah, c'est Cody qui pose un panneau. Je peux Ouais. poser le mien aussi. Hein. C'est con qu'il n'y a pas. Tu sais, les mettre des décalcos, mais vraiment pour les panneaux. T'sais, je mettrais bien un panneau style zone 5, enfin zone 50, route 5. Je vais mettre une Xyphos quand même, enfin une aspi pour le. Vu qu'on est à proximité d'une anomalie. Par contre, va falloir faire gaffe parce que là, construction site bêta, il y a des NC qui vont peut-être la reprendre. Et la zone limite, la high de Skydock, Ah bon, on a avancé. il y a des, y avait des NC. Ah, j'ai entendu ce rapport, comment on va? Bah, ça va très bien, écoute. Donc, là, on construit notre base, nous sommes une petite fourmi. Voici notre base. Avec le gros canon. J'ai envie de l'essayer d'ailleurs. Comment je peux. Interagir avec et puis t'auras un pistolet à fléchette pour marquer l'emplacement. Évite de le marquer sur la base, hein. Oui. À l'extérieur, il y a un gros filon qui est apparu. Ouais, effectivement. Quelle faction? La couleur, je connais pas les noms. RT, République Terran. Et rouge. Les rouges. On est chez les rouges. Du coup, si je vise là. Ça va Là, péter? tu vois que c'est marqué sur la carte. Si c'est marqué sur la carte, c'est que ça va balancer. Oh putain. Là, c'est bon, les missiles sont lancés. Waouh, c'est trop bien. Bam 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 bam. Ah, j'ai pris les rouges aussi. Bah oui, la RT, c'est les meilleurs. Tiens, je vais te montrer quelque chose. Et Regarde. les Vanus, c'est des putains d'assistés, va! Ouais, regarde, ça, c'est une grosse tourelle. Et ça, ce que j'ai dans les mains, c'est mon joujou. Hop. Là, je tire une fléchette. Tac. Et ça, c'est mon joujou. C'est ce que j'ai acheté. Bim 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 bim. Voilà. Ouais. Oh. C'est Cody. Tiens. Ouais, attends, je m'éloigne Oh, un peu, mais. imagine, ils te font un canon, mais vraiment le gros canon DCO. Comme à l'armée là, Ah les méga ouais. canons. Ah ouais. Oh, bah, Quand j'avoue, il ce tire, serait t'entends cool. un zwei pour le design. Merci, Grenadier. Je peux vous rejoindre pas en vocal par contre? Ouais, non, de toute façon, on serait resté 4-3 en vocal. C'est pas contre toi, gars, c'est juste que. En fait, maintenant, je vais éviter faire des streams où on est plus de 4 parce que. À part pour Overwatch. Mais quand on est plus de 4, c'est le bordel sur le Discord. Et quand je regarde les VOD, on s'entend plus parler. Donc ouais, tu peux nous rejoindre si tu veux. Bah, balance ton blaze. Puis on part sur ton Discord, enfin Non, non, mais ton ce soir, Discord, oui, à la limite. apparemment, il peut pas. Ok. Hop. Je connais pas le jeu, donc j'essaye de le comprendre. Ok. Zut, en fait, Moi du bouclier, ça je voulais mettre. moi je suis en train de faire joujou avec la tourelle. Il joue avec mon investissement. Ah oui, écoute, oh là là, c'est trop bien! Il s'éclate. Oui.
Mais je crois que je peux mettre aussi le. Je sais pas si je peux mettre la glaive aussi en même temps. J'ai jamais testé. J'ai déjà vu des bases équipées de glaives. J'ai envoyé une fléchette très loin, Cody. Je sais pas jusqu'où elle va. Oh, par contre, le Peux le truc faire de. insane, c'est que je peux aller à bord. Attends, hop. Je peux aller à bord et viser un truc. Un endroit en fait. Oh, Vas-y. vas-y, je vais tirer genre là. Oh oui, c'est trop cool! Mais c'est ce qu'on avait fait, Cody. Fais gaffe, Cody, non? Bah alors. Oh, C'est si, un ça. peu trop loin. Ah, c'est bon, Ça ça tire. tirait. Je fais des tests de DCA, hein, c'est pour ça. Enfin, des tests de batterie de missiles. J'ai envie de voir jusqu'où la portée du missile s'étend. Et j'ai envie de voir des complexités, Bah genre je là, lui on est fais à visiter. 339 de la base. Ok. Tu peux tirer dans la base là? Non, je crois pas. J'avais lancé une fléchette, ils m'ont dit que je pouvais pas. 50% de NC actuellement. Ouais, votre fléchette de guidage a pénétré dans une zone non déploiement. Ouais. 50% de Bon, NC, ok, on rentre. Au pire, Cody, attends, viens, on fait un petit tour. j'ai Dans la tourelle. je suis sur mon radar. Ah, c'est bon. Rentre dans la tourelle, Wayne. C'est Ouais. bon, il s'est barré. Ok, F2, hop, je suis là. Là-bas? Non? Là-bas. J'ai Non, cru il avoir. y a... J'ai cru avoir vu des gens dans le marécage là. Ouais, c'est une impression, je crois que c'est des petites lucioles là, Ah ouais, ces qui petites donnent l'impression. lucioles. Oh, Ouais, je me suis déjà fait avoir aussi. ça m'a mis la pression d'un coup parce que j'en ai vu 1, 2, 3, 4. J'étais en mode putain, mais il y a trop de monde. Point, point. Ok, non, dommage. Ah, par contre, Aga, faut que tu me balances ton blaze. Hein. Je sais pas si tu me l'as envoyé. Je vais regarder. Non, j'ai pas reçu ton blaze, ton blaze in-game, Aga. Hop. Ton bruit, ton klaxon, il est trop drôle. Hop, hop. Ah non, c'est bon, ça a disparu. Oh, par contre, il y a du fight à Broken Whale. Enfin, Broken Veil. Wow. Quand j'entends ton klaxon, j'ai envie de chanter. À... Attends, je vais faire encore un petit peu joujou avec mon missile. Enfin, avec ton missile, mais j'ai envie de faire joujou avec. Feu! Allez, missile! Tire! Tire, je te dis. Ah oui. Pense que je peux en mettre autre chose aussi. Moi j'aimerais bien avoir ce truc quand je vois un infiltré dans les arbres là. Ou un assaut léger dans les arbres. Hop, tu pings l'arbre. T'as un tir de mortier, tu sais que le mec va crever. Hop, ah, plus d'infiltré, j'ai réglé le problème les gars. Le truc c'est que c'est discret quoi. C'est pas un truc qui est marqué sur la carte. Ouais. Comparé à Bah, je la le vois. frappe orbitale et tout. Je le vois sur la map quand vous spottez l'endroit. Oui, quand on spot n'est pas le canon, sa position. Ah! Ouais, elle est pas connue de Ouais, base quoi. bah, Tu c'est pas peux comme la faire propre orbitale. un canon au niveau de certaines bases ennemies et puis t'en servir pour les pilonner. Les mecs, ils verront pas d'où ça vient. C'est qui qui a tiré? C'est vous ça? Non. On s'est pris un glaive.
un fléau dans les dents. Ouais. Allez, monte. Monte. Bah, attendez les gars, il y a un prédateur à côté de moi, c'est pas lui. Putain. C'est le nôtre qui tire? Ouais, c'est notre qui tire. Et Il est où? il a tiré le nôtre. Je sais plus ce qui est arrivé. Ah, c'est moi qui ai désigné une position un peu loin pour voir un peu l'étendue, mais. Par Il contre, là, ce qui s'est prend un pris dans la coup. tête. Hey. Hey! J'ai arrêté de faire jouer avec ça. Hey yo, what? Salut. Tchouk. La fléchette, boum. Ah, il propose si on peut avoir. Si on a besoin d'un. Ah! En fait, on ramène des fournisseurs. Notre entreprise. Pas d'orbital strike, hein, les gars. Ah, c'est beaucoup trop risqué, on Ouais. grille la position. Merde, j'ai pas mon distributeur ici. C'est gentil, les mecs qui demandent. On n'a pas ça tous les jours. Hein. Bon, gardez un outil de déconstruction en cas où, si J'en ai jamais. toujours un. On peut déconstruire ce qu'ont fait les autres. Non, j'espère que oui, parce que l'Orbital Strike l'autre fois, on a... Oh, salut Cody. Cody qui fait ses rondes là. Ah, On est encore toujours. bien encore sur en Cortium là? Ouais, carrément, ouais, on est à 47 000, on est quasiment full. Non mais dis-toi On a que encore moi un gros filon côté. mon TNA il est encore plein hein, depuis tout à l'heure. Hein. J'ai encore un grand mur solide et puis de mur anti-explosion s'il faut. À la limite, je peux toujours essayer de protéger de ce coin-là et mettre une tourelle. Ah ouais. C'est quoi comme tourelle là? Une spire. Bon, si Du je fais fausse. reconstruire quelques murs autour du module qu'il vient de placer là, si quelqu'un a encore un module de réparation et quelques murs à placer avec au truc, J'ai plus il de l'a mur placé au niveau moi. du bunker. Je vais voir où est-ce qu'il l'a placé lui. Ici, où je suis. Ça, je me fasse une idée. C'est quoi cette ammunition ici là? C'est moi. C'est une distributeur de munitions pour les véhicules. Ok, mais pourquoi vous l'avez placé en dehors des murs? J'ai pour l'autre endroit où le caser. Bah à l'intérieur là Mais après. derrière le fort. Bah ici, là je Ah pouvais c'est pour pas. véhicule. Ouais, c'est pour les véhicules. Ah ok d'accord. Bon, t'aurais pu le poser là. Bah c'est un faible Là. rayon d'exploser le truc à véhicule. Voilà. C'est quoi qu'il a posé là? Ah, c'est un skywall, non? Oh, fais gaffe. Ah il veut poser des walls lui aussi. Oh, j'ai mis un, j'ai encore. J'ai trois murs. Enfin, deux grands murs et deux petits. C'est à nous celui-là? Ouais. Ouais, ça nous. Ça aurait été bien, tu sais, comme construction, c'est des projecteurs. Des Ah, projecteurs, là. j'avoue, des projos. Ouais. Ah, Donc le j'avoue, mec, ça en aurait été fait, cool. il a un truc à faire. Apparemment, il faut qu'il répare les constructions et apparemment, il aurait besoin qu'il pourrait, on pourrait l'aider. Mais le problème, c'est que ben, on peut pas l'aider Bah non, concrètement. parce qu'on peut pas en s'endommager nous-mêmes, en fait. Et puis il y a les autoréparations aussi. On a l'autoréparation qui est actif. Après, j'aurais bien pris un NC, puis j'aurais volontairement fait du Ah dégât oui. pour qu'il répare, mais. Ouais, je crois que c'est pour les directives. Ouais, c'est les directives de Nantes. Pour ça. Directive construction.
Il y a encore un mec avec son TNA là. Mais les gars, cassez-vous. Ah, c'est le même que tout à l'heure, je crois. If I buy a silo and you damage it. Non, non, mais les dommages alliés, ne, ça gagne pas d'XP quand tu les répares. Hein. Non, ça marche, ça fonctionne pas. Il faut qu'ils s'endommagent tout, soit tout seul les modules, soit c'est enfin les constructions, soit c'est les ennemis qui tirent dessus. Si les tirs alliés, ça comptera pas. Le jeu est scripté pour. Ah, mais il veut qu'on se meurt pour aller l'aider. Oh non, j'ai la affaire, flemme. Hein. Non, on peut rien faire. Hein. Puis ça prend beaucoup trop de temps à se dégrader ce truc-là, donc demain il y a encore. Ouais. Les prochaines il y a encore. Hein. Non, on Oh, peut rien j'ai la faire. flemme. J'ai la flemme d'aller chercher mon. D'aller chercher mon. Mon NC et de le ramener ici. Hein. Clairement. Après, je pourrais, hein, mais je me ferais annihiler, quoi. Oui. Surtout que t'as les tourelles automatiques qui vont m'enculer. Oui. Et puis, puis aussi, les gens ils vont pas s'attendre à ce qu'un NC arrive ici, du coup ils vont me défoncer. Et si je meurs, j'ai pas de spawn. Oui. S'il commence à faire le con parce qu'on l'aide pas, vous le démontez. Ouais, de toute façon, si j'entends que ça tire dessus, ou qu'il te tue, je le bute. Hein. X-Robit, hein, ok. Il est où d'ailleurs ce con? Ok, il est là, je l'ai en visu. Il est dans mon bunker là. Ok. Il est sur le toit du bunker. Ouais, pas terrible placement, mais bon, c'est toujours ça de prix. Mais en fait, moi je crois que j'ai l'impression que ce mec c'est. C'est le genre de mec genre, oh salut, il veut paraître sympa au début en mode je vous pose des trucs dans votre base pour vous aider. Et ensuite, il joue sur le sentiment d'être devable. Tu vois? Oui. Tu vois, pour qu'on Ouais. l'aide à faire des trucs. Parce que ce genre de mec, dans les MMO, j'en ai rencontré des milliards. Hein. J'en ai rencontré des milliards, des fils de pute comme ça. Hein. Au revoir Billy. Il s'en va dans la forêt. Oh, attends, j'ai envie de faire un truc. Et tu vois ce qu'il a dit? Man, I don't this game. Je sais maintenant pourquoi ce jeu n'est pas sympa maintenant, parce qu'il y a plein de gens qui partent. Parce que maintenant, je sais maintenant pourquoi plein de gens partent. Bah écoute, mon vieux, on va pas se murf pour tes beaux yeux, on se connaît même pas. Salaud! Ah ben, mon côté j'ai farmé pour les directives de l'antenne hein, et les constructions. Hein. Le mec il dit qu'il a des FPS bas dans les grands champs de bataille, mais alors c'est Ah, rien qu'il Cody, dit. je vais peut-être le trichotte. Allez? Non, pas les arbres, s'il vous plaît. Ouais. Non, mais je lui fais peur. Merde. What? Oh, C'était quoi les gars? On s'est pris un truc là? Il se non, passe non, quoi non, là? c'est la... en fait, la tourelle a tiré sur l'airbord du bouclier. Ah, ben, Ah. c'est moi qui ai fait le kill apparemment avec mes missiles. Pouh, ah bah c'était ça tout à l'heure alors. Ouah, j'ai commencé à flipper. Bon, évite de tirer sur les alliés avec parce que ça m'a compté le kill. Enfin, ça, ils disent que j'ai tué un allié. Ah ouais? Ouais. Ah Ouais, c'est moi le merde! propriétaire de la tourelle. Ah merde! Il a C'est moi éclaté le. l'autre. Ah, je l'ai tué! Tu l'as buté. Non. Et imagine, c'est moi qui vais engueuler, enfin qui va m'engueuler. Attends, je mets un. Voilà. Je t'ai pas une bonne nuque. Ah, mais le mec, Ouais, tu joues pas les sentiments, puis ensuite tu fais, bah, je comprends pourquoi est-ce que plein de gens quittent le jeu. Vous êtes pas sympa de smurf pour moi. c'est. Ah, j'aurais peut-être pas dû placer la glaive. Plus dans le coin parce que quand ça tire sur l'arbre des boucliers, ça y a une collision en fait. Il y a une collision sur les tirs. Après, quand dire l'endroit où j'ai tiré, c'est l'intérieur de nos terres à nous, hein. Donc il y a très peu Et de tu vois chances qu'on. quand il pointe le canon vers le haut, il a plus de chances
les arbres aussi, hein, vu comme il est placé la tourelle. Ouais, c'est pas faux. C'est bien ça. Ça veut dire que. Enfin, en fait, c'est bien et c'est pas bien dans le sens où c'est bien parce que si je fais du TK, bah, c'est ta faute. Mais si je tue des ennemis, bah, c'est toi qui récupères l'XP quoi et les kills. C'est un peu triste. Rien. Pour moi, les directives après. Hein. Putain, c'est triste, c'est moi qui tire avec. Je vais jeter un œil à une base, je reviens. Vas-y, vas-y. En plus, comme il a placé le module de. ah, le Module côté Sky, Vanu c'est là? Ah, j'avoue que le mal module, truc. il l'a posé en Ah, les bas. Ouais, mecs, ils module font qui. une base en hauteur. On a une base alliée en hauteur là. Une Ah bon? frappe orbitale et en cours de charge. Regardez sur la carte. Hmm. Où ça? Ah, Ouais, ouais! un truc qu'on avait déjà fait, ça. Mais bon, c'était au niveau d'attaque plainte aussi. Attends, j'ai envie d'aller la checker un petit peu, à quoi, voir à quoi elle ressemble. Ah ça, tant que le billet il est connecté ou tant qu'il passe par notre module, le module va rester là. Ok. Donc là, il faut se dire que c'est juste temporaire. Ah ouais, je la vois. Ah, il y a la guerre un peu par ici. Et un putain d'aéronef qui vient m'attaquer, quoi. Ils sont pas foutus de mettre des modules anti-aériens ici, quoi. Ils ont une tourelle anti-aérienne avec une IA automatique? Non. Je sais pas, mais ils ont un. Ils ont des trucs qui ont pris cher, du coup je les répare, ça me fait de l'XP. J'arrive. Oh, commandant. Ah. On a construit une belle base. T'as vu ce que j'ai envoyé, Axel? De où, sur quoi, de quoi? Sur le calage général. Ah oui. La Vénus. Hey. La Binus de Milo. Oui. Ah Qui d'ailleurs, je n'ai jamais vu ce dessin, mais. bon? Oui. On m'en a parlé, mais on me l'a jamais montré. Du coup, je sais Ah pas ce que c'est. merde! Ah merde! Tiens, quand je t'avais dessiné. Bah oui, mais moi j'ai jamais vu ce dessin, je l'ai toujours entendu, mais jamais vu. Et Ah que si, du coup, enfin. j'ai. Du coup, le seul truc que je sais, c'est que c'est censé être moi à poil dans une coquille. Enfin, je crois que ça ressemble à ça, quoi, La l'idée. magnifique description. Enfin, c'était moi à poil avec les cheveux longs, du coup. Hop, c'est bon. Eh, mais y a une anomalie en haut là. Bah pendant 15 secondes ça va être fini. Bon, je vais y aller quand même. Oh, presque 16h, je vais chercher un truc, je reviens. Est-ce que je pourrais installer donc d'autres trucs là? Hop Voilà. là. Oh, on a gagné? Oh cool, un pack. Je vois nos trois dômes là. Je t'ai fait peur, Maxi. J'ai foncé tête baissée devant le. Non, pas Devant, comment vu. dire, le truc. Je vois. Ah. Par contre, je viens de me poser une question. T'as posé un truc pour régénérer. Hey! Ouais. Pour régénérer les véhicules, mais il a posé un wall devant, du coup c'est un peu inutile. Pour régénérer les véhicules. Ah, pour recharger les véhicules, je veux dire. Bah, tu vois la plateforme de. La plateforme de. Ouais. Ah, tu peux te poser dessus, hein? Quelle plateforme? Tu peux traverser les boucliers. Bah là, bah, ça a pété. Tu peux traverser les boucliers, hein.
Ah, ok. Bah bon, T'as vu comment boosté que pour j'ai. l'éviter. T'as vu comment que j'ai traversé les boucliers avec mon libérateur? En vrai, regarde ton mosquito radar, tu peux le poser sur le fort, hein. Oui, hein. Je pense que ouais, je pourrais continuer avec le. Checker avec le mosquito radar. Ah merde, mon TNA il s'est barré, je crois. Quoi, tu es lente? Ouais. Pire, tu prends le mien, hein. Non, non, Je mais vais c'est pas ça. changer. Si ça change de véhicule, sinon. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que ça me fait chier. Je Parce qu'il était full, quoi. Et je sais même pas si Cody l'a vidé. sais pas. sais pas où. Tiens, Il est limite, t'as qu'à full. vider. T'as qu'à refaire le plein de Curtium. Ouais, il va vite, le tien. Ah, mais tu Bah, sens le vite. speed du véhicule. Ah ouais. Ah, attends, je vais aller faire un petit plein là. Ah, on a que Mosquito Valkyrie comme. Ah, c'est cool qui. Maintenant, c'est que Quartium que ça coûte. Ou les deux monnaies. Les deux autres monnaies. Hop. Puis c'est bien, on a notre base juste à côté d'un énorme filon de Cortium. Ah, t'as augmenté la capacité de stockage à 10 000. Il est à fond, ouais. Ah putain, wesh. Mec, il a tellement pas le temps avec son TNA. Hop. Ah bah c'est quoi qui m'a bloqué, qui me bloque? Oh là là. Il va vite ton bordel. Hein. Et encore, il n'y a pas de turbo avec, hein. Ouais, c'est vrai. Une prime a été placée sur ma tête. Mais pourquoi? Je nettoie le mec à la Banshee là, sur une base à côté. Putain, mais c'est fou, Cody, le moindre truc, genre Cody, il se lève le matin, il mâche un chewing-gum, il a une prime sur sa tête. C'est débile. C'est fou! Magnifique. Comment tu fais pour avoir autant de primes? Ça rien, les mecs ils m'aiment pas. Oups. Putain, mais parce que, genre, clairement, mec, tout à l'heure, quand j'étais quand j'étais en train de play solo le soir là. J'ai full spawn kill des mecs, je les ai farm hein, clairement. Et j'ai pas eu de prime. Et pourtant je les ai tués au moins une bonne vingtaine de fois, tu vois. Chacun. Et j'ai pas eu de prime. Et toi tu tombes sur des rageux là. Tout le temps. Je te dis, j'avais fait une session avec Dao, j'ai dû avoir au moins 4-5 primes. Putain. À la suite. Plus des insultes. Ah non, il y avait Max, je crois. Oh, possible, hein. C'est fort possible. Plus bâtard, ce serait de mettre des silos un peu partout, tu sais, sur nos régions avec plein de tourelles anti-aériennes partout. Nos régions Dès du que les mecs talent. ils arrivent dans nos. J'imagine, tu retiens les spots d'anomalie et t'anticipes le prochain événement justement pour les aériennes. Construction de base avec des tourelles anti-aériennes. Mais tu ne sais pas où est-ce que les anomalies vont être. Bah ouais, parce que j'ai même pas noté où ils étaient. Et que j'ai un peu la flemme. Bah, elles Mais doivent être random. j'ai l'impression que les mecs ont plus tendance à lâcher leur prime quand même. Je sais pas s'ils ont baissé les prix des trucs. Hop. J'en sais rien. Allez, on remplit le stock. Parce qu'avant, les primes.
Avant les primes c'était pour les riches. Hop. Ouais. C'est pour les bons gros rageux. Tu vois. Je vais aller refaire un tour, hein. Je vais aller rechercher un petit peu de... Je refais le plein un peu. Vas-y. Là je viens de me vider les couilles, j'ai les couilles vides. Hop, donc je peux y retourner. Moi j'aide Dao, j'attends que tu dégages de l'escouade ou de terre. Oh putain. Aïe. Normalement il y en avait un de bonne valeur ici. Il n'y a pas un gros là. Oh si. Le voilà mon gros. Mon gros morceau de cortium. Hop là. Hey, salut ma beauté. Oh mais t'as déjà été entamé toi. Vas-y tu vois d'autres mecs. Bon, je vais devoir aller choper ça ailleurs. Alors j'en trouve un autre filon. Voilà. Doit bien avoir un petit peu qui traîne là par ici. Ah bah y'a une base ici aussi. Enfin une base. Ouais. Moi bon, le mec il a juste mis un garage, un truc d'avion et c'est tout quoi. Ouh, par contre ici c'est la régalade hein. Ouh là là. Ouh le filon de cortium à 35 000 là. Attends, genre juste de sortir des aéronefs par les plateformes de base. Hop là. Hein? Ça coûte que du cristaux de sortir les vaisseaux par les bases. Ah. Oh, j'ai placé un marqueur sur la carte là où il y a un très gros filon qui pop là. Et squeak. Putain, t'as l'aviation qui est arrivée à faire un piqué, j'en ai tué 3. Plus un avec une prime. Propre. Hop, t'as la bande à la base. Ouais. Je rentre à la base, mes petits cochons. Et j'ai les couilles pleines cette fois. C'est Daout à la base? Je suppose. De toute façon, j'ai mis un tube de TP, donc tu peux venir. C'est une base dernier cri. Hein. Je sais pas, je suis dans une base, mais ça doit pas être celle-là. Mais de toute façon, tu vois. Ah oui, non, oui, c'est pas celui-là. L'as de pique. Celui l'as de pique. Ah oui, non, mais je suis dans une autre base. Ah oui, t'es dans la base en hauteur. Hein. Ouais. On a été la voir tout à l'heure. Nous, c'est la base aux trois dômes. C'est quoi ce nom de taverne, là? Je sais pas, mais ça me rendait bien, du coup. Effectivement. Aux trois dômes, le troisième, par un mec qui joue avec nos émotions, là. Ouais, j'avoue. Ah bah du coup je peux mettre ma tourelle là. Avec Xifos. Où est-ce qu'il n'y a pas de Xifos? Il y en a une là. C'est bon, on est full. Fais gaffe, Dao,
Je vais garer les TN. C'est ici qu'on gare les TN. Hop. On a encore plein en stock. Ouais. On déborde. Hop là. Ah, j'ai été rechercher un petit peu. Un petit peu de cortium. On était pauvres, on était qu'à 35 000. On a commencé avec un petit budget. Ouais, et maintenant on est des auto-entrepreneurs. Ouais. En vrai, là, le petit truc que t'as mis là à côté de la réserve, enfin du truc pour les véhicules, il a une vue impeccable sur les marais. Hein. Si ça attaque par les marais, on les déchire. Hein. Plus les walls sur les côtés qui donnent des vues sur le marais aussi. On les démonte. Genre... Da, 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 da. Il y a une faucheuse à Vanu qui a ragé sur moi parce que tu sais, j'ai utilisé les full locker Tom. Ouais. Et puis il m'a fait Epic Noob. Il t'a lâché son meilleur Epic Noob. Bah ouais. Parce que je l'ai envoyé 6 missiles dans la gueule, je crois, en lock à la suite. Du coup, il a pas aimé et je lui ai fait Yeah, exactly. Bah, je suis un noob, je suis un débutant en aviation. S'il est pas content, c'est pas mon problème. C'est drôle de le faire ranger, le mec. Il a fait son malin en dogfight, là, il te tue en 2 balles avec son Iron F. Toi, t'arrives, tu le lock. Putain, n'empêche, quand il y a des gens qui passent pour voir notre base, ils doivent se dire putain, mais ils sont pétés de thunes. Parce qu'elle est belle, notre base. Hein. Oui. Putain, il m'a le calé, putain. Là, de là où je suis, je le trouve vraiment joli. Hein. Bah, Emine, t'as qu'à te prendre un aéronef et puis t'as qu'à te poser sur la colline au nord. T'as qu'à te prendre un screen. Hein. T'es en train de faire un. Ah, c'est con, il est. Je peux pas le coller plus, il y a une ouverture sur le côté. Ah, merde. Chance. Bon, ça après, ça m'empêche pas de mettre par exemple peut-être bien un module de bouclier et puis mettre un autre module dessus juste pour mettre ouais. par pure protection. Mais bon, non, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et ici, on peut mettre quoi? Ah, bon, tu l'as enlevé. Non, parce que du coup, ouais, il y avait un trou ici. Après, on peut remettre d'autres devant là. Comme quoi, t'as une sortie de véhicule. Yep. Après, je peux bazarder ce wall hein, si tu veux qu'on bouge le wall. Oh, ça devrait laisser comme ça, hein, c'est ouais. Déjà bien. Hein. En vrai, la base elle commence à avoir de la tête là. Hein. Oui. Wow. Raté. Bon, je pense que j'ai loupé. Cody refait un tour à la base, et hop, il repart. Ça va, ça m'a même pas fait attaquer là depuis. Non. Non, les combats sont très éloignés pour qu'on s'intéresse à nous. Oui. Il nous vole notre cortium, lui. Eh, hey, y'en a un qui rentre dans notre base là. Mm-hmm. Faites gaffe, il va peut-être nous voler du cortium lui.
Ouais, on y fout après. Il cherche sûrement. Je pense qu'il cherche, à se vider. Ah. Ouais, il a vu que c'était full. Eh ouais, mon petit père, c'est full. Il va à notre silo. Qu'est-ce que tu fais, toi? Fais une connerie et je t'abats sur le champ, toi. Il m'a pas vu, je suis dans les airs, je le surveille. T'es pas des ennemis sur la région à côté là, histoire que je les spot. Tac, ennemi. Non, il a placé une. Oh putain, il est sérieux! Démontez-moi ça. Il faut qu'il se finisse de déconstruire. Et l'autre, il est où le mec? Il est devant moi, je là-bas. C'est bon. Mais quoi, il a fait quoi? Allez, construit une frappe orbitale. Ah! Ah, il arrive à notre position là. Ah, les max. Le mec, c'est même pas, il demande ou quoi que ce soit, juste il vient, il sert dans les ressources et il construit un truc qu'on en veut pas, tu vois. Qu'est-ce que de pute? La base de prise. Dégagez-moi c'est bon, ça, c'est vous bon. pouvez là? Vous pouvez le virer là? Comment on l'enlève? J'ai pas l'outil. Attends, j'ai pas l'outil. J'ai pas l'outil, vas-y, prends-le. Faut vite jarter ça. C'est bon, je l'ai jarté, c'est bon. Ah, c'est bon, il l'a jarté. Bon, de toute façon, il est détruit. Ah, mais c'est lui, je l'ai mis. C'est lui le mec. Ah, c'est bon, il s'est excusé. Putain, les mecs, toi, je crois chez lui. Par contre, au moment où il l'a construit, Cody l'a fait. Il est où? T'inquiète pas, je suis devant lui. Brrr, il s'est pris une rafale. Ah non, au bout d'un moment, c'est bon, quoi, merde. On s'est déjà fait baiser une fois. Puis ça nous a consommé du cortium en plus, hein. Et ouais. Beaucoup de temps aussi, hein. Combien ça nous a consommé? Oh. Putain, ça nous a consommé tant que ça? Bah, mec, 2000 normalement, un truc comme ça. Ah ok, parce que je viens de faire le plein et on est déjà à 40 000. Derrière moi. Voilà, j'attends qu'on te tire dessus. Qu'est-ce qu'il y a? J'attends, mais je vais au pot. Eh ouais, on est deux. Vous le poursuivez là? Je rentre. Ouais. Abattu, bien joué. Ah, il était... je crois qu'il était abattu. Ok. Non, moi ouais. J'ai vu, il s'est craché, j'ai eu le kill. Parce que si, okay, ça vous... si ça vous suit, je suis dans les tourelles prêts à décimer. Hein. Oh, l'autofer, elle touche très bien les cibles près. L'IA? Les IA sur les tourelles. Ouais, mais bon, moi aussi je veux de l'XP. Hein. Si je peux abattre un mec qui vous suit. Bah au moins un joueur peut anticiper le tir. Ouais. Enfin anticiper le mouvement. Le mouvement des aéros en effet ennemi. Bon je prends là. Oui il est parti. Bah tant mieux. Le mec s'en gêne, toi il arrive, et tu vois. Il s'est cassé le trou de cul. Et ton XP a disparu, on dirait, non? Ah, et ton XP est plus là. Ah merde, j'ai tué Wayne qui était sur mon véhicule. C'est triste, hein.
Alors, du coup. Une belle base. Une belle bait. Mal bait. J'ai envie qu'on nous attaque là. La belle bait. Oui. Bon, on tient trop bien là. Ah, quoique non, mec, y a les Vanus qui sont en train d'avancer là. Hein. Si tu veux te faire attaquer, mais une fois pour Bital, violent. Ouais, non. On a un fléau, ça nous suffit. Hein. Y a pas d'aéronef là où vous êtes, Dodo? Non. Non, non, y'a rien. Parce qu'il me faut mes 1000 certes, du coup, je peux pas attendre dans une base. Vas-y, vas-y. J'ai 964. Moi j'avais 1000 certes tout à l'heure, mais j'en ai déjà dépensé. Ah merde! N'empêche, 3 armes à 1000 en 4 jours. Ah ouais. Ah, j'avoue, en vrai, quand tu joues beaucoup, les certes, ça se fait tout seul. Hein. Bah oui, ça se farme tout seul, les certes. Bah, après, ravageur. Faut voir les. Ravageur? Ouais, au sud de la base. Les alertes. Je le vois. Bah oui, t'es au niveau du B là-bas. Ok. Ouais, level 39. Ouais. Ouais, presque 40, ouais. 1000 certes, ouais. Mais il est où? Tango Mai. Merde, Aspi. Ok, ouais, je vois, je vois. Je vous vois pas sur la carte si vous êtes en... Assaut léger ennemi dans la zone. C'est bon, abattu. J'ai un ravageur sur moi. Putain, mais espèce de trou de bite! Carrément. Ouais, de toute façon, l'arme est toujours active. Oh là là là. Putain, on peut pas faire du stationnaire en fait. Ah bah je peux les spotter maintenant. Enfin je peux les spotter. Merde. Putain. Ravageur en approche, ravageur en approche. Par le sud-ouest. On m'attaque! T'es à la base? C'est pas que la base me dérange, mais j'en ai marre de rester inactif. Hein. Bouge, ouais, bouge. Moi aussi. Ouais. Oui, pas t'inquiète, on bouge aussi. Hein. Bon, tant que l'alarme n'est pas active, enfin, tant qu'on n'a pas l'alarme qui est activée, je continue à me fight. Hein. Je pense qu'on aurait dû la faire plus près d'une ligne ennemie. Ça nous aurait fait plus d'action. Ouais, mais là, c'était juste histoire d'avoir un peu les bases. Aussi. Ouais. Oui. Ouais. Puis ça fait toujours un point d'ancrage à véhicule et à avion, tu vois. Oui. Hop. Report you, M cheater, ça y hop. Voilà, on m'insulte. Ouais. Ouais, c'est mon troisième kill et je me fais insulter. C'est quoi, c'est un Vanu? Ouais. Ok. Comment ça, de tricheur? Tu sais pas, il me dit lol, report you aim cheater. Ouais, aim un aimbot en fait. Oh là là, les sales rageux. Ces fils de pute, ils ont des bêtés le jeu, les trucs, même sans aim, t'arrives à défoncer le gars en face. Tu balayes ton écran, tu touches deux fois l'ennemi, même en body shot, ça tue. Toi, t'es obligé de faire une full tête avec un peu de body si tu veux espérer au moins lui baisser son shield.
mais bon. Putain, façon, j'en me suis encore trompé. On n'a pas les mêmes valeurs que les Jean-Michel Vanul, hein. Ah bah j'en approche. T'es en fight là, Cody? Ouais. Ok. T'es en mosquito? De ravageur. De ravageur. Hop. Voilà. Hop. On a besoin d'aide sur la base. Notre base ou... Non, la base. La Canadata... Ok, j'y vais. Oh, on est sur place, là. Enfin, je suis toujours en mosquito, mais... Ravageur en approche. Et je me suis encore... J'ai encore oublié de changer mon équipement. Ah oh merde, j'ai fait le con. En soi, ça commence bien, j'ai pas de prime, mais on m'insulte, c'est équivalent. Toujours mis qu'un ratio, hein. Ah bah oui. Tu sens que tu saoules une personne. Voilà. Rien de tel. Intérieurement, ça fait plaisir. Se sentir haï. Détesté. Voilà. Ah, mais ça fait toujours plaisir. Contre la NC, ils vont essayer de nous couper en attaquant Stack and Storage, à mon avis. Pour essayer de nous couper du biais là-bas. Notre priorité, ça va être de défendre ça. C'est quoi ces armes NC qui me trichotent là? C'est quoi comme canon que t'as, Max? Actuellement, j'ai équipé les aiguilleurs avec le. Avec les coyotes. D'accord. Ouais, les coyotes, le temps de rechargement est long, mais bon, t'as... plutôt que d'attendre que Tectom il lock. Ouais, c'est pratique pour les cibles, les petits ironnefs là. Y'a des mecs qui arrivent sur le point. Ouais. On peut les aider. Ouais. Il y a des examens, attention. Ah, je me fais tirer dessus. Je suis mort. Ah, je suis vraiment une bite au dogfight de toute façon. Oh, ils sont vraiment en train d'aller à Estacan apparemment. Ouais, je suis sur place. Putain. Je suis où, t'as mis le marqueur? Je suis derrière toi, on va s'occuper des générateurs. Petit détecteur? Ouais, dessus. Wouah, mais vas-y, mais c'est quoi leurs armes de merde là? Générateur, il est où? Bon, je vais arrêter d'aller sur les toits, ça sert à rien, de toute façon, on a aucune cover. Me fait rire, bon, je prends. Mais putain, mais je pop, je meurs. Vas-y, ça me saoule. J'ai une beacon. Ah, il y a une beacon, ouais. Je m'en occupe au couteau. Il y a un tir orbital. J'ai un mètre sur le point. Ouais, j'arrive. Par où vous êtes?
Il y a un assaut léger qui attend encore sur le pont. Putain. Genre, je l'ai pas eu. Oh, il est low. Oh, je suis deg. Il y a un assaut léger qui surveille le bouclier. Il campe au téléporteur. Je demande du renfort, on verra bien. Ah non. Bon, j'arrive. On s- Ah, dégoûté. Putain, mais la torque, ça tire vite, t'as l'impression que tu fais pas de dégâts. Motion spotter, hein. Je veux de la détection, moi. Ah ouais, j'arrive. Je viendrai pas. Y'a Wayne. Merde, sur le toit. Ok. Par contre, faut réparer le bouclier là. Rien sur le point. Putain. On n'a pas un médic? Je vais aller réparer le bouclier. Ah, oh, merci, ça fait du bien, putain. Ah, les NC de face, ils t'arrachent. Hein. Yes, merci. Ah, aide à l'élimination, bien ça. Attends. Oh putain, mais ils sont partout! Réparation en cours. Ouais, mais là. Mais ils sont trop nombreux. 50%. On est plus nombreux qu'eux. Ils sont dans les sous-sols. Hein. Ok, je me disais bien. Il y a des tunnels où ils sortent par ici. Merde, c'est quoi le TP? Ah, c'est le Biolab! Ah! Attention, sous-sol. Hein. C'est bon. Wesh. Je lance une conclusion. Rentre pas. Ok, j'ai rien touché. Les NC sont sur le point de prendre le Biolab. Ouais. Oh non, c'est quoi qui m'a tué? Grenade frag. Merci. Fais gaffe en raison. C'est bon. Hop, double kill, je suis content. Putain. Thanks. Ah, derrière les caisses. Ah bah c'est bon, il se fait avoir. Putain, on ressuscite pas. Enfin, non, hop. Ok. Je vais essayer de te choper, Maxi. Ouais, ils sont beaucoup quand même. Si. Ah, bah, la grenade a passé du coup. Le point est repris. Point est... Ah putain, on retourne en arrière. Oh mais. Je prends des balles perdues, c'est fou. Ah merde. Bon. Ouais. Attention, il arrive, il est ouais. Sur le point, il attend. Sur le toit. Ouais, il va arriver. J'attends l'entrée. Ah, il y a un déplacement. Il y a même dedans. Je crois qu'il y en a un qui arrive. Contourne. Ouais. Et boum, non, pas boum. Il est à l'extérieur.
Ou alors il est dans, dans le tunnel. Ah, peut-être. Mais c'est quoi ces armes? Je crois que j'arrive. T'as vu? On a un allié qui surveille. Je déplace le capteur. Il y a un dispé. On peut commencer à descendre, hein, ça a bien capé. Qu'on aille aider à nettoyer le sous-sol. Ouais, il en arrive. Hein. Okay, putain, okay. Ça arrive sur le point, hein. Il y a deux Billy. Putain, je suis déjà à 20 kills avec la dame. Pas possible ça. Non, c'est pas possible. Attends, attends, il se raise. Une munition d'arme principale. Gros joueur. J'ai une prime. Mais c'est pas possible. Je lui mets un chargeur entier qui touche et ça, et je meurs pas. Et il meurt pas, je veux dire. Putain, c'est nimpe. Ils sont combien sur le point? Aïe, dans le dos. Aucune idée. Bon, bah, il y en a plus de deux déjà. GUM. Je continue. Ouais, non, de la torque, c'est pas assez rentable. La torque, j'aime beaucoup. Les mecs, je leur tire. Je leur tire au moins 20 balles, ils meurent pas, non. Tu me diriges vers le point. Ouais, non, je vais reprendre la NS11A, c'est une bonne base. Par contre, faut que j'aille pisser, je reviens. V-Lab est en train d'être sécurisé. Okay. On a pété le dispé, on l'a nettoyé autour. Ouais, il suffit de rentrer sur le point et de faire un nettoyage. Ils ont foutu une icône, j'ai pas pu la détruire. Attendez-moi, j'ai une grenade à concussion. Putain. Ils ont une tourelle automatique. L'ingénieur est planqué derrière les caisses à côté de cette tourelle. Je rentre, Cody. Putain, je me suis pris la conclusion. Oh, putain, moi aussi, je me la suis bouffée. Bien joué de sa part. Valkyrie. Beacon. Bon. Il n'y a pas grand chose ici. Tu demandes du renfort, ça réagit, c'est génial. Et on a repris le gueule avant en plus. Bon, sur la map, ça donne quoi? Ok. Ah, tu vois le générateur, il faut le protéger, tu vois, parce que je crois que c'est lui qui. Ouais, c'est le générateur en dessous, là, juste en dessous là. Tu vois, celui-là faut le protéger parce que c'est lui qui couvre la salle en fait. D'accord. Donc faut jouer avec ce générateur. Son Condor fait un générateur éloigné. Tu le mets dans la pièce. Puis catégorie véhicule. Voilà comment ça se passe, soldat. Les vues sont impressionnées. Bon travail. Ok, Biolab, ça va être défendu.
Par contre, les Vanus sont en train de bouffer nos territoires. Ouais. Notre base, elle va bien ? Ouais. Puisque là, il n'y a pas d'alarme, je vois bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On trace au Biolab ou... Non, le Biolab est défendu, puis a largement la pop. Faudrait qu'on pousse un peu plus ces côtés Vanu, quoi. Ils sont en train d'essayer de nous caper tous les petits trucs au sud. Ah ouais, je vois. Mieux, c'est qu'on lance la capture de Aeon, machin, là, qui se trouve juste là. Ouais. Le mieux, ce serait d'y aller en Valkyrie. Je vais sortir une Valkyrie, déployez-vous, vous allez rentrer dedans. Ok. De quel côté, Warpgate ? Non, je l'ai déployé depuis notre base, c'est le plus près. Ok. Puis ça coûte du cortium. Aussi. Ah, je suis content d'avoir acheté le tube de merde là. Hop, Valkyrie passager, hop. Ah, c'est bon, on peut faire notre base d'opération dans un coin et puis au moins utiliser les cristaux pour déployer les véhicules. Oui. Ouais, puis là, limite, on peut... Oh, pourquoi je suis à l'envers ? Ah, parce que tu... Ok, d'accord. Et je peux toujours aussi m'en servir pour déployer des tubes... des plaques de routeur. Sortez. Ouais. Mais je peux mettre aussi des routeurs. Ah bah oui, du coup, c'est vrai. Nettoyer. J'ai pas trouvé l'entrée. Ah putain. Bah l'entrée c'est en dessous. Je sais pas, je fais le tour. Mais tu fais le tour, mais le bâtiment il est là. Ouais je sais, mais je voulais chercher le Vanu qui se barrait là. Attention mec, ça a besoin d'aide. Ouais. Mort. Sécuriser. Ouais. Surveiller les entrées. Il y a un offenseur. Ouais. Wayne, détection de mouvement, s'il te plaît. Ok. C'est le point. C'est fait. Il est où le mec ? Il est sur le toit. Ah, il est sur le toit. Il a cassé l'icône. Ouais. Là. Et descend. Ose descendre, quoi. Ça arrive par les tunnels. Ouais. Je suis low. Ouais. J'ai entendu un cloak. Mais ils sont où les mecs ? Ouais, je l'ai entendu aussi. Putain. Ah, fais chier, putain. Ah, bah moi ça. Ah, putain. Ah, bah mettez le jeu, ok. Mettez le jeu sur vous, ça arrive. Je suis mort. Pas assez de médic. Beetlejuice, hein, encore. J'ai demandé un point d'attaque. Oh, c'est full Vanu ici, hein. Tac, 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 hop. Le disperseur a été repéré. 2 HP. On a perdu. Ah bah non, on a gagné. C'est en train de zerguer là-bas. Oh, je me fais un stunt.
Oh là là. Ouais non, la torque c'est pas du tout assez rentable. Ah, puis le mec à la Betelgeuse, putain, il t'allume. Betelgeuse. Pour les grands et les petits. Altaïa. Oh, on me tire dessus! Oh là là, mais c'est quoi? Ouais. C'est bon. Infiltré! Ouais. Tu l'as vu ici? Ouais, je l'ai vu aussi, mais je sais pas où il est. Allez, au chat. Il y a un capteur de mouvement sur le rocher. Faut qu'on dégage. Je l'ai pété. Point C, on se dirige. Okay. Sur moi. Ah non. Merde. Ouais, 1v1 Betelgeuse, c'est match nul. De Vakin. Le retour. Ah, il y a du monde ici. Il y a un infiltré à côté du display, faites gaffe. Ok. J'ai repéré le display. Les alliés qui tirent dessus. Un enfonceur qui arrive pas à du display. C'est assez compliqué de défendre tout ça. Les mecs arrivent dans le bâtiment et tout. Putain, mais même à la NS11, oh, j'arrive pas. J'arrive à rien. Je suis une tub, un gros chibre. Oh. Ouais. Mais pute. Attendez. Je me fais. Oh mais vas-y, mais je me fais chaîne. Pas attaquer. C'est bon. Putain. Pour l'instant, il est corrompu. Je ne comprends pas. Ah, d'ailleurs, tout à l'heure, Cody, j'ai vu un truc, mais c'est vraiment genre.
c'est Vanu Kalitat, hein. Enfin, fils de pute Kalitat. En gros, la RT était en train de gagner sur Amerish tout à l'heure, et avant de lock le continent, et d'un coup, NC et Vanu, ils ont arrêté de se friter, il n'y avait plus aucun front chez eux, ils ont ravagé la RT. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la RT s'est réveillée, on les a pris sur tous les fronts, on les a repoussés, et on a gagné le continent. Trop fort la RT, trop bien. Point faible de la RT, trop nombreux. On peut les contourner par une route. Merde. Putain. J'ai un dead. Ouais. Ouais. Putain, ils ont pris les 3 points. Putain. Un fou, lui, de venir comme ça. Oh putain, les mecs qui campent comme ça à l'autre bout de la map. C'est vrai. Pensez. Oui, je sais, ils sont tous là-bas. Quoi? Ah non. Ok. Gna gna gna, Betelgeuse, gna gna. Hop, je dois m'AFK, j'arrive. Okay. Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai la cookie pue, c'est le retour, merveilleux. Est-ce le retour de Microsoft? Les mecs t'allument à la Betelgeuse.
Mais... Non, deux, je tente là un raz. Ah, ok. Ah, merde. Bon. Je savais pas à qui tu parlais, du coup. Je vous vois pas sur la map, je sais pas où vous êtes. Ah, vous êtes là-bas, ok. Putain, mais ça TP partout! Oh, c'est injouable! Ils sont tous la bételgeuse. Je me suis fait tuer par un mec à la bételgeuse. Aidé par un mec à la bételgeuse. Oh, il joue casse. Putain, tu peux pas faire un truc sans en avoir un sur le dos. Non. Est-ce qu'il y a un médic? Je sais pas, je crois pas. Bon, tant pis. Hop. Hydra. Non. Bah non, je suis con. Oh là là. Ah, quand ils vont se prendre un zerg, ils vont nous faire eh mais vous nous faites du zerg. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, bande de fils de pute? J'aurais dû acheter l'armistice, moi j'aurais pas été déçu. Mais étant un bon trou du cul, j'ai acheté une arme inutile. Oh non. Je me suis fait OS. Mais c'est pas une arme, c'est Dieu. C'est fou comment dans le jeu t'as l'impression de tirer avec des armes de paintball. Ouais, c'est pas fou.
point B et A. Ça me faisait le pu. Ce serait bien en vrai, franchement, qu'ils remettent à zéro les armes, genre tout le monde a les mêmes armes. Parce que clairement, là c'est pas fun. Merde, putain, UM. Ce qui est marrant, c'est que quand tu lis les astuces sur l'écran, de temps en temps ils écrivent aucune arme n'est fondamentalement meilleure qu'une autre. MDR. MDR, ouais, c'est tout ce que j'ai envie de répondre. Il y a des snipers sur les collines. Sur la montagne du spawn derrière nous, il est là. Ils sont 3, on est 20, ils nous font une rafale, on meurt tous. Allez, boum! Le double ou triple kill à la grenade.
J'essaie de reprendre A, mais c'est compliqué. Hein. Oh, mais ce pistolet de merde qu'on a, putain. Je fais des opérations suicides à coups de C4 dans le lard là. Bon, je bute des gens, hein. Ça me va. Hein. Je meurs, mais j'en prends trop avec moi quoi. Toujours en train de défendre. Ah ben, rapport vital. Hein. Ah On ouais. va attendre un peu. C'est quoi ça, c'est un routeur? Ouais. Bon ben plus de routeur du coup. Je suis mort, hein? Non, même pas. Ah si, je suis mort. Ah yeah, je suis mort! Non! Si. Putain, ce ratio de merde. T'as fait chier, je suis passé par un endroit et là il y a plein d'autres connards en assaut léger là qui font la même chose, du coup ils grillent ma position depuis tout à l'heure. Moi j'y vais plus directement, hein. Je prends l'uppercut et je tape. Ah, ça marche le pompe. Hein. Ouais. Depuis tout à l'heure, je suis au top à spammer les C4, j'en bute plein. Il y a des snipers, hein. Fais gaffe, Cody. Infiltré. Ah putain, tu es par les C4 alliés, moi. Ah, Max? Maxi peut cracher. La paire du Max. Ah, c'est nettoyé. Bon, je vais faire une pause, je vous laisse là. Ouais, pareil. Vache. Ah, pute.
pute, salope pute pute. Ouais. Moi ouais, je pense que le truc c'est ça me fait redémarrage quand il y a... Ça te fait redémarrage quoi quoi? Ouais, je pense que je vais fermer le stream aussi, je vais faire une petite pause. Hop.